أنتم مع صدى الملاعب والجزء الأخير في فقرة نجومنا العرب في المهجر. إحنا عم نروح عم نزور بأوروبا، منلف منشوف مين عربي أصله عربي. هلا رح نكون مع نجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال بيتيس ذو الأصول الجزائرية نبيل فقير، اللي تحدث لمراسلنا رضا بالرحمة عن حياته وعن تاريخه. منتابع أنا نبيل فقير، تابعوني سد الملعب. مرحبا بك نبيل معنا في برنامج صدى الملاعب، وشكرا على الاستضافة. أولا مبروك على تجديد عقدك مع نادي ريال بيتيس. هل نبيل جاء من ليون إلى إشبيليا لسنوات طويلة؟ au début non. Au début c'est vrai que voilà j'avais pour objectif de voilà c'était comme on va dire un tremplin. Après voilà j'ai découvert une bonne équipe. Voilà, des bons supporters. Voilà, je me sentais bien ici, tu vois. Il y a le club qui avait des grands projets, tu vois. Après, ça m'a donné envie de rester ici. لنعود مرة أخرى لناديك الأول نادي ليون. ما هو سر تألق اللاعبين من أصول عربية في النادي؟ Tu vois, c'est une ville où il y a beaucoup d'Arabes. Il y a beaucoup de quartiers aussi, tu vois. Et je pense que voilà, même dans les années à venir, ça va continuer à être comme ça parce que voilà, tous les jeunes, ils aiment le ballon, tu vois, surtout les, comme tu as dit, les jeunes arabes. Et voilà, je pense que ça va continuer comme ça dans les années à venir. الرابع سبتمبر مباراة فرنسا البرتغال، إصابة خطيرة، تمزق بالرباط الصليبي. كيف عايش ومرت هذه الأيام والشهور على نبيل بعيدا عن الملاعب؟ C'est vrai que c'était un peu compliqué, voilà, surtout au début. Le fait de rester à la maison, de ne pas pouvoir sortir, voilà, de ne pas pouvoir marcher. Mais voilà, j'ai beaucoup d'aide autour de moi aussi, et beaucoup de soutien de la famille, des amis, du staff médical à Lyon aussi, tu vois, du chirurgien qui m'a opéré, et ça m'a beaucoup aidé. بعد المونديال تهاطلت العروض على نبيل. ما سر فشل صفقة انتقالك لنادي ليفربول؟ Il y a eu un malentendu dans les négociations avec mon agent, et sur le coup c'est un peu dur. Mais quand tu sais que, alhamdoulilah, t'es croyant, il n'y a pas de problème, tu vois. Pourquoi tu as choisi la Liga et Real Betis بالضبط? Voilà, j'ai eu un appel avec les dirigeants d'ici. Tu vois, ils m'ont exposé le projet, tu vois, ils m'ont montré le projet, qui comptait vraiment sur moi, tu vois. Et je pense que c'est important pour tous les joueurs de ressentir un intérêt, tu vois, de ressentir un intérêt fort. Et voilà, c'est ce qui m'a convaincu à venir ici. قرعة كأس العالم لقارة إفريقيا أسفرت على مواجهات نارية شهر مارس المقبل. ما هي المنتخبات التي ترشحها لبلوغ تصفيات كأس العالم بقطر؟ Un pronostic déjà, j'espère que l'Algérie va passer. Voilà, comme c'est mon pays d'origine. Après, voilà, on sait, c'est que des bonnes nations, des nations qui jouent bien au ballon. Ça va pas être facile. Voilà, ça va être disputé, mais que le meilleur passe. هل شاهدت المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا الأخيرة؟ وما في رأيك ما سبب خروجه المبكر من البطولة؟ Voilà, c'était l'équipe à battre, c'était l'équipe à battre du tournoi. Et voilà, avec des conditions pas faciles. J'espère que voilà, c'est un échec qui va les faire grandir et qui reviendront encore plus fort. هل اللاعب ذو الأصول العربية يمتلك حظا أوفر عندما يلعب لمنتخبات أوروبية لكي يتم انتدابه من فرق أوروبية كبيرة؟ Je pense que c'est pas ça qui fait la différence. Voilà, parce qu'il y a des joueurs africains, voilà, qui jouent dans des très grands clubs, tu vois, et on le voit encore aujourd'hui. Tu vois, mais je pense que le football moderne aujourd'hui, il a évolué et que petit à petit cette idée, elle est en train de s'effacer. كلمة لجمهورك الجزائري والعربي بصفة عامة. Un grand merci pour tous ceux qui me suivent et qui me donnent la force et je vous aime. شكرا لك نبيل على استضافتنا هنا بمركز تدريب نادي ريال بيتيس لويس ديل سول بمدينة إشبيلية. شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء. bon courage, continue à nous donner de l'info et on va vous suivre.